Bonjour, ici Étienne 907 pour l'explication et de retour dans Ark. Alors aujourd'hui, je suis, comme vous pouvez voir, pas mal assez loin de la base. J'ai décidé de partir explorer avec mon ami et comme on a arrêté de jouer ici, mais j'ai recommencé à jouer et je me rends compte que je le laisse peut-être dans un lieu assez dangereux. Alors on va construire une petite maison pour mon cher ami. Une petite maison juste ici, avec du bois. Mais bon. J'aurais besoin d'un peu de bois, ça va être super rapide, on va y faire un petit shack. Un petit shack de bois. On va se mettre les recettes juste en bas, ça va être assez rapide, checkez bien ça. Donc j'ai le ceiling, les walls, frame, il manque juste la fondation, et voilà. Bon, on va voir. Je vais avoir besoin de fibres et de thatch. Alors, allons récolter des fibres. On va le drag à l'intérieur d'une maison. Vous allez voir ça. Oups. Quand j'ai besoin de ressources, qu'est-ce qu'il manque du bois? Enfin, là, je ne ferai pas une grosse maison, par contre, là, mais je vais y faire une petite maison. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque pour faire le door frame? Du bois encore. Oh my god, ça en prend beaucoup du bois, ces affaires-là. Comme vous voyez, on s'est déconnecté ici parce qu'il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'herbivores, donc ce qui faisait que c'était assez sécuritaire. Je pense que tout ce qui me manque, c'est de la fibre. Yep. Donc faisons un. On va faire tout de suite le 8. Le toit. Et voilà. En même temps, ça va me donner un peu d'XP. Ce que je ne dis pas non, disons-le. Du bois. Sup, monsieur. Monsieur Stego, sup. Ouais, disons-le, il faut vraiment pas que je frappe un seul animal herbivore, ou sinon je vais être en guerre. Et c'est pas ce que je veux, disons-le. C'est loin d'être ce que je veux. J'essaye de construire une petite maison pour mon cher collègue. Pour qu'il ne se fasse pas tuer. Qu'est-ce qui me manque? La fibre. Et voilà. Et une petite maison bien rapide. Là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre ça juste ici. La fondation. Les murs. Le ceiling. Wooden frame. Ah, je n'ai pas fait la porte. J'ai oublié de créer la porte. Alors, faisons ça tout de suite. J'ai le bois, il manque juste le thatch. Oups. Ça devrait être en masse. Et faisons la porte. Et on va le mettre à l'intérieur de cette porte. Et voilà, j'ai monté de level, sweet. Ok, alors on va construire une petite maison juste ici. Donc, 6. La porte. 0, les murs. Toi, drag. Release the button. Huh. Pourquoi je ne suis pas capable de... Ok, donc, toi, release body. Étrange. Je ne suis pas capable de le drag and dra de le drag. Je peux pas le draguer. What the fuck? Ah, mais je peux utiliser ces anagrammes. Ah, c'est bien marrant. Je peux utiliser ces anagrammes. Je pourrais utiliser lui pour faire une... Oh. Ok, mais pourquoi suis-je capable de le laisser là? Je suis pas capable de le laisser à l'intérieur d'une maison. Ah! 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 Et voilà. Et voilà. Il reste plus qu'à faire l'intérieur. Oups. Et une petite maison pour mon cher ami pour qu'il soit en sécurité. N'est-il pas génial, ça? Ok. Donc, aujourd'hui, c'est pas mal juste du level up que je veux me faire. Donc, voyons voir. J'ai monté d'un autre level. Allons se chercher. Je dirais que plus de points ne serait pas vraiment quelque chose à négliger, hein?
On va aller chercher plus de poids. Je suis rendu quel level quoi? 57. On va garder ce level-là. On va continuer. Je vais aller me battre un peu. Je vais voir mon inventaire. Hein, parce que mon dinosaure commence à être lourd. Lourd. Est-ce que c'est parce que j'ai du stock en double? Parce que disons-le, plus j'ai de stock, plus mon bonhomme est lourd. Alors, on va essayer de le garder le plus léger possible. Donc, je vais dropper tout ça. Oh, d'ailleurs, j'ai pas mal de roches, hein? Oh my god, j'ai gros de la roche. Ben, ça va aider. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer vraiment rapidement et en sécurité. En même temps, je suis en train d'essayer de voir si je trouverais pas des singes, puisque je sais que c'est une des nouvelles un des nouveaux animaux qui ont rajouté dans le jeu. Alors, j'explore. On va juste explorer encore dans cet épisode. Je vais essayer de le prochain épisode d'avoir des guns et d'essayer d'explorer vraiment plus profondément. Mais là, ce que je voudrais trouver, ça serait les singes. Sérieusement, ça serait quelque chose d'intéressant à trouver. Si vous trouvez que je ne parle pas fort présentement, c'est parce que je record à minuit présentement. Minuit le soir. Qu'est-ce que tu fais, man? Est-ce que t'es en train d'attaquer quelque chose, toi? Il essaie d'aller où, lui? Attends un petit peu. Qu'est-ce que t'attaques? Pourquoi? Attends, est-ce qu'il se fait attaquer, lui? Oups, non, je suis pris à l'intérieur. Je suis pris à l'intérieur. Décolle. Weird. Étrange, j'ignore vraiment pourquoi pourquoi ils couraient le trike. Comme s'ils allaient se préparer à attaquer quelque chose. Je pensais qu'ils allaient m'attaquer moi, mais j'ai pas attaqué personne, donc je me dis que ça se peut pas que ça soit ça. Alors, je suis surtout ici pour monter le level, mais en même temps, je veux plus trouver. Je veux vraiment trouver des singes. Si jamais j'en trouve un, je vais être assez content de tuer la nature. Parce que sérieusement, ça a l'air assez intéressant à tamer, ça va aller un petit singe. J'ai aussi des nouveaux thèmes. J'ignore si ça vous intéresserait de voir les pages. Parce que j'ai eu aussi des nouveaux thèmes que j'ai été chercher, le Ichia, le petit poisson nouveau. Il y avait aussi quoi d'autre que j'ai été tamer en plus? Que j'ai été chercher pour le livre. Je me souviens d'en avoir eu un autre. Je m'en souviens pas, mais voilà la page de poissons. Sérieusement, ces poissons-là sont vraiment utiles. Ils sont aussi assez faciles à tamer si jamais vous pognez des. Si vous réussissez à avoir de la viande assez lourde, voyons, la prime meat. The fuck is that? C'est un raptor. Un raptor, un scorpion de mort. Intéressant. Par où je m'en vais présentement, voilà. Ok, je m'en vais voir le centre de cette petite île. Ah, oh, attends, je me souviens de cette île-là. Avant, là, le premier coup que j'ai joué, la première base que j'ai établie était placée à 25, 60, à latitude 65 puis 20, 25 longitude. C'est un des endroits que je m'étais établi. Sérieusement, c'était quand même un spot assez le fun. D'ailleurs, on pourrait bien aller voir ça. Je pourrais bien aller voir ça. Faut juste que j'aille vraiment, mais vraiment à la gauche de cette île. Why not? J'ai pratiquement rien d'autre à faire qu'à d'explorer. Faut vraiment que j'apprenne à recorder plus de vidéos d'affilée lorsque je fais des. Lorsque je me fais des épisodes. Oh boy. Ils ont un mate booster. Ça va être un léger danger pour moi. Ah ouais, vas-y, capable. Je sais que t'es capable. Oh yes, un de moins. Est-ce que j'ai tué le couple? Non. Damn it. Let's go, t'es capable. Yes, yes. Oh god. Je sais que t'es capable. Je sais que t'es capable. Yeah! He's a beast among them. Disons-le, mon raptor est rendu au level qui. Il va être assez dur à tuer, level 39. Revelo est rendu une bête. On va le nourrir. En même temps, c'est supposé de le healer, ça. Le fait de bouffer des corps. Alors aussi bien, il se donne de la bouffe. Quoique mon ami m'avait montré aussi un autre truc pour guérir le dinosaure. T'as rien qu'à spam là-dessus, puis ça va le guérir assez vite, merci. Regarde-nous sa santé.
Pas, mais en même temps, ça diminue son poids, donc c'est assez utile, merci. Hein, checkez-moi ça. Il est déjà quasiment plein, si on regarde à droite. N'est-ce pas utile? C'est très utile, en effet. C'est quoi qu'il y a là-bas? Est-ce que c'est un corps? Est-ce qu'il y a un corps mort ici? Oh, ok, il y a comme trois scorpions. J'ai pas vraiment le goût de me battre contre des scorpions. À moins qu'il y en ait juste un qui m'ait suivi, là. Parce que, disons-le, trois scorpions, il y a de fortes chances que je m'endorme. J'aurais dû garder les. What? J'avoue qu'ils se sont battus récemment. Hein? J'ai aussi été tamé un scorpion hors caméra aussi. Je viens de penser à ça. Ok, good job. Good job, my friend. Reste réveillé. Oh, je suis triste. Le dernier coup, là, j'ai trouvé trois pickaxes de métal sur eux autres. C'est assez marrant. J'ignore comment ça, là, mais à chaque fois, j'ai trouvé des pickaxes en métal sur les aigles. Qui est assez intéressant. Attends, est-ce que j'ai vraiment droppé mes. Ouais, j'ai droppé les berries, les steam berries. Donc, je pourrais pas me réveiller. Je pourrais pas réveiller mon cher raptor si il s'endort. Oh my god. Attaque dans le dos. Good lord, il y a donc bien des foutus saber-tooth. Ils sont vraiment en mode je veux te péter la gueule, saber-tooth. Let's go. Let's go. Fight. Fight me, bro. Ok. Cours. On va faire un petit demi-tour. Let's go. Yes. Les autres ont une chance pour moi. Ils sont bas level parce que. J'aurions de la misère à me battre. On va remote use. Tristement, les raw prime meat ne marchent pas pour guérir le raptor. Alors, je ne peux pas vraiment spammer le prime meat. Ça fait juste le remplir. Ce qui est assez étrange d'ailleurs que je puisse spammer la bouffe sur lui et le guérir. C'est assez étrange, disons-le. Bon, on va voir ça à map. Je suis rendu où? Oh god, je suis rendu à la moitié de l'île. Sérieusement, on dirait qu'ils ont grossi l'île. Ça se peut aussi qu'ils aient rajouté dans la dernière mise à jour le dragon. Parce que je sais que le dragon il était dans le tournoi qu'ils avaient annoncé justement sur le jeu. Ils ont annoncé des tournois où qui offrent une genre de somme de 40 000, je pense, aux gagnants. Une chose est sûre, sérieusement, c'est bien la première fois que je vois une compagnie faire des tirage parmi les gens qui ont acheté le jeu. C'est assez intéressant d'ailleurs, c'est quand même assez le fun à voir. Normalement, le monde ne font jamais ça. Avant de poursuivre mon chemin, je pense que je vais mettre un marqueur où est-ce que j'étais avant. P? Pourquoi je peux pas? Ok, il faut être débarqué du dinosaure pour que ça fonctionne. Ok, donc je vais mettre 50-60 pour me souvenir de où est-ce que j'étais le dernier coup. 50-60. Où est-ce que mon ami. Où est-ce que j'ai laissé mon ami? Ami maison. Ben, ami maison. Tiens. Ok, c'est assez énorme comme titre. Ok, direction encore là-bas, mon ancienne base. Continuons le chemin. Je pense que je vais arrêter quand je vais être rendu à la maison. Qui sait, peut-être je vais trouver le nouvel animal qu'il y a dans le jeu. Le singe. Ce serait très intéressant à trouver. Je voudrais vraiment retrouver ce foutu singe. Ces nouveaux animaux-là, dans quelle section ils seraient? Ce sont des suds, ce sont de l'ouest, ils sont du nord. Je sais que les Sabertooth, on dirait qu'ils sont rendus un peu partout maintenant. Oh my god, il y a plein de carnivores ici. C'est atroce. Ok, on va descendre ici, puis je vais longer la berge. La berge. Je vais longer le cours d'eau qui est ici. Qui est juste ici. Holy shit! Je pense que je vais aider un peu les trikes. Parce que disons-le, je veux pas me faire tuer par trop de raptors. Je voudrais pas me faire encercler par des raptors. Holy shit! Un coin c'est dominé par les herbivores, l'autre coin est dominé par les foutus carnivores. Dang, checkez-moi ça, ça fait-tu du bien ça?
J'essaie de faire gagner aux herbivores du terrain. Disons que c'est mieux avoir plein d'herbivores que de carnivores. D'ailleurs, j'ai vu un spino juste là-bas. Bon. Ce serait intéressant d'aller tamer un spino. Je n'ai pas tamé, j'ai pas eu le livre. Bon. Où est l'obélisque vert? Je regarde sa map. Ça devrait être par là-bas. Me semble. Oh my god. Il y a un autre spino juste là. Damn it! Faut juste que je m'assure que les carnivores aient un herbivore entre moi puis eux autres. Ok, voyons voir. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction, moi? Tu vas mourir, petit raptor. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Non, je m'en vais pas pantoute dans la bonne direction. Donc, l'obélisque qui est là-bas, c'est l'obélisque vert. Ok, good, c'est good. Alors, on part là-bas, c'est par là, faut que j'aille justement. Ouais, je me demandais c'était quoi ce bruit-là. C'est juste des ankylos. J'ignore d'ailleurs si je serais capable de tuer un foutu spinosaure. Disons-le, ça a l'air assez puissant. Je sais qu'on en a tué, que j'en ai tué à deux, mais je sais pas si le raptor est. Si je l'ai bien monté, mon raptor. Tu sais, j'ai augmenté récemment la santé pour qu'il dure le plus longtemps possible. Parce que disons-le, j'en ai besoin de la santé. Il y en a vraiment besoin de santé. Disons-le, si vous avez une bébête, essayez de le monter à 1000 de vie le plus possible. Parce que justement, les gros mobs font gros du dégât. Comme les T-Rex, mettons, là. Si vous faites pas attention, ils peuvent vous tuer bien facilement. Donc, la meilleure façon, c'est d'augmenter la santé. Comme ça, ils peuvent tanker plein de hits. Oups, je suis pogné dans sa tête. I'm trapped in his head! J'avais presque décidé juste de faire un live de Ark aujourd'hui, la journée que la vidéo sort, mais je pense que je vais plutôt me reprendre à la journée d'après. J'ai le goût d'essayer le live stream de YouTube, voir c'est quoi la bêta, à quoi qu'elle ressemble. Ça pourrait être intéressant. Ça, bitch! You are my prey! Va, Fiomia, je t'ai sauvé la vie, ça me fait plaisir. Bon, mais bon. Je suis rendu où? Je suis presque rendu. God damn, c'était bien loin cette affaire-là. Let's go! Ok, il y a un T-Rex. Je pourrais peut-être le tuer, le T-Rex. On s'essaye-tu? Je vais attendre que mon stamina soit revenu. Et on s'essaye. On s'essaye. On va s'essayer. Hey T-Rex, je me suis augmenté. Je me suis entraîné le dernier coup. Le dernier coup qu'on s'est battu. On devrait avoir du fun, tu vois. Bite the ankle! Oh. Kill him! Kill him! Reviens ça. Non! Oh, come on! Come on! Yes! He's dead! He's dead. I've killed the Tyrannosaurus Rex. N'est-ce pas magnifique? Oh my god! Un bronto à trois têtes. Je pense si vous avez vu, mais pendant un instant, on dirait qu'il y avait vraiment trois têtes, les brontos à l'autre bout. Oh boy. Bon, ben finalement, je vais peut-être arrêter ça sur cette note, le fait que j'aille tuer un T-Rex. Je vous montrerai une autre fois la base que j'avais avant. Parce que disons-le, j'ignore. Non, en fait, non, c'est sûr que la roche, elle devrait être là. J'ai juste dit là, moi. Hey, checkez-moi ça. Santé est pleine. Et je pense que je vais mettre fin à l'épisode ici. Moi qui pensais me rendre jusqu'au point que je voulais aller. Mais bon, j'ai tué une bonne couple de dinosaures. Je vais me rendre à une place qui est sécure au minimum. Parce que disons-le, il y a de bonnes chances qu'il y ait. Des raptors, par exemple. Oh, il est bien haut de sa couleur, lui. Il est vert flash. Vire flash. Vire flash. Disons-le, il y a pas mal de foutus carnivores, ici. On dirait vraiment que tout dépend de les personnes où est-ce que tu chasses, là.
plus tu tues des dinosaures carnivores dans ton coin, moins il y a de chances qu'il y en ait, puis plus que ça risque d'être dominé par les herbivores. En général, c'est genre, il y a un spawn de dinosaures à certains endroits, ou s'ils ont spawné une fois, puis après tu les revois plus. Peut-être que même c'est un nombre de dinosaures qui est écrit, si il y a un nombre de genres de triceratops qui apparaît, puis il y a un nombre de T-Rex qui apparaît dans map, je pense que ça serait vraiment ça, la façon qu'ils l'ont faite. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'ils l'aient fait de même. Oh my god, finalement j'ai rien dit, je suis encore vraiment loin du spot. Donc ok, je vais juste m'arrêter sur le bord de la plage. Alors c'était Etienne 907 pour l'SPQC, on se revoit dans un autre épisode de Ark. Bye bye tout le monde!